Ce jour dédié pour que Dina Simcha bat Rachel et Binyamin Israël ben Hana Beila aient beaucoup d'enfants rapidement. Amen. On ne peut pas toujours tout dire sur Internet, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de remercier Hachem pour les grands miracles qu'il fait en notre faveur. Il faut savoir voir, c'est le nom de notre paracha, et vois la bénédiction et la malédiction que Dieu met en face de toi. Et là, Baruch Hachem, Dieu amène une très très grande bénédiction, comprenez. Ça fait des mois que Tzahal se prépare à une guerre avec Hezbollah, donc ce groupement terroriste qu'il y a au Liban. Une guerre très difficile. Hezbollah a 150 000 missiles, en tout cas avait 150 000 missiles. Ce sont des très bons soldats. Ils se sont battus en Syrie pendant 3-4 ans. Ils ont beaucoup d'expérience. Ce sont des très bons viseurs. Et on s'attendait à une guerre sanglante, terrible, avec les civils aussi. Les missiles, ça, c'est pas contre l'armée, c'est contre les civils. Ça fait quelques semaines que Tzahal était au nord d'Israël, au Liban. Ceux qui étaient là-bas ont sans cesse des avions d'espionnage qui passent au-dessus de nos têtes, comme ça, des petits avions hélices pour prendre des photos sans cesse, parce qu'on sentait que vraiment ça allait être la guerre. Et Baruch Hashem. Baruch Hashem, on doit remercier Hashem pour ce miracle extraordinaire qu'il a fait, qu'il n'y a pas de guerre. Tzahal maintenant est reparti, c'est fini, tout le monde s'est calmé. On a évité une guerre sanglante, terrible. Il faut savoir remercier Hashem, voir les grands cadeaux qu'Hashem nous fait, et le remercier. J'étais avec l'armée de Rabbi Shaul il y a une trentaine d'années, j'ai eu la chance d'être avec lui le soir du Seder. Il y a un passage que tout le monde connaît, qu'on dit en chantant, « Veïch ha'amdam, shebchol dor vador, avec chaque génération, omdim alen ul'chalten, où il y a des gens qui se lèvent pour nous anéantir, v'akel shubachu matselom miyadam, et Dieu nous sauve de leurs mains. » Et le Rav, il ne voulait pas tellement, mais son fils lui a dit, le Rav Eliyahu lui a dit, « Papa, vas-y, raconte ton histoire. » Il ne voulait pas, « Non, raconte. » Alors il a raconté une histoire comme ça, on va dire pour les enfants, mais tellement vraie et tellement juste. Il dit qu'une fois il y a eu un roi, qui avait donc sa cour, ses ministres, etc. Et ses ministres ont voulu faire un putsch militaire, renverser le roi. Alors, ils sont tous rencontrés quelque part, et ils ont écrit ensemble un accord, une sorte de charte. Et chacun signe la charte qui sont engagés comme ça à participer au putsch contre le roi. Et le service de renseignement du roi a eu vent de l'affaire, et le roi était au courant, on lui a montré la charte, il appelle chacun des ministres qui a signé, il dit « C'est ta main ça qui a signé ?»« Oui, allez, en prison, toi aussi en prison. » Et c'est ce que dit le verset. « Vakadosh Baruch Hu Matzilenu » et Dieu nous sauve de leur main. Sa propre main qui a signé, c'est elle qui a été son propre arrêt de condamnation. Comment Hachem nous aime? Ce que nos ennemis ont voulu nous faire, c'est ce qui leur est arrivé. À la sortie d'Égypte, pourquoi Yitro vient? Yitro vient et quitte son pays de Midian pour aller dans le désert et rejoindre le peuple d'Israël quand il a vu que les Égyptiens ont été engloutis parce que, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Leur but c'était d'engloutir tous les Juifs dans le Nil. Dans la même chose qu'ils ont voulu nous faire de leurs propres mains, c'est ça qui leur est arrivé. Donc il faut vraiment remercier Hachem pour les grands miracles qu'il nous fait. On rentre maintenant dans le mois de Elul. C'est la période de Tchouva, il faut se rapprocher d'Hachem. Le coroner du monde a montré qu'on ne peut pas compter ni sur les médecins, ni sur l'économie, ni sur les politiciens, encore moins sur l'information. On doit compter sur Hachem. C'est la manœuvre qu'Hachem veut dans le monde entier, qu'on se rapproche de lui. Et quoi que meilleure période que Elul pour se rapprocher d'Hachem, où Dieu tend sa main et dit « Reviens, revenons vers Hachem, on ne sait pas vers quoi on va, il est clair que ces accords de paix avec les Émirats arabes, c'est un plan de Trump, du monde occidental, pour contrecarrer le croissant chiite, donc l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban avec Hezbollah, tout cela c'est un croissant chiite qui menace tous les pays pro-occidentaux de la région, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, Israël bien sûr, et il est clair que le fait qu'il y ait sous tutelle américaine, cette union, cette fédération, ça nous annonce qu'on va vers un affrontement qui semble inévitable, d'autant plus que Trump n'a pas beaucoup de temps encore pour régner. Il semblerait en tout cas, c'est un doute. Donc je pense qu'on va vers des événements extrêmement, je ne sais pas si appeler cela grave, en tout cas extrêmement décisif. Je pense personnellement que ça nous amènera vers le Mashiach. Donc faisons tchouva, remercions à Dieu des grands miracles qu'il nous fait. Disons à Dieu, comme c'est écrit dans la prière, on te remercie pour le passé et on crie pour le futur. Aide-nous encore. Amen, ma chère Barachamim, sans guerre, sans effusion de sang. Regardez comment on a été sauvés d'une guerre qui aurait pu être terrible, terrible. Comment Hachem, en une seconde, peut nous faire des miracles tellement grands. On demande encore, on fait tchouva, on a confiance en toi, Hachem. On te remercie. On demande, ma chère Barachamim, avec grande pitié pour tout un Israël. Amen, va amen.